Bonjour, Geneviève avec vous en direct du Festival de Contes de Chigny pour Radio Sud. Je suis avec Tania et Brigitte. Bonjour. 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 Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici ? Donc nous sommes une équipe d'artistes animateurs des Créateliers, le centre d'expression et créativité de Florentville et Chigny. Et nous animons des ateliers pour enfants et cette année exceptionnellement pour adultes, ateliers créatifs de toutes sortes. Alors quand vous dites de toutes sortes, cela veut dire ? Moi j'organise tout ce qui est grimage pour les enfants. Ensuite il y a aussi d'autres animations sur lesquelles... Oui, donc Bernadette Vos et Laurence Froidebise vont faire peindre aux enfants et aux adultes des panneaux en bois que nous allons assembler pour faire une construction un peu incroyable qui, nous l'espérons, sera exposée lors d'un prochain festival à l'entrée principale du site. Alors, il y a également une animatrice qui va faire un livre de recettes de contes géants avec les enfants. Un animateur qui va fabriquer des crêpes créatives décorées de paillettes de différentes couleurs, mais également qui va faire des vraies crêpes, une heure, on ne dit pas encore laquelle, au cours de ce festival, mais toujours des crêpes très jolies que l'on photographiera avant de pouvoir les manger. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Moi, tout ce qui concerne l'estomac, ça m'intéresse. Donc, je vais essayer de savoir à quelle heure cela va se passer. Et puis, comme nous sommes dans les infos de 19h pour l'instant, donc peut-être ce sera demain dimanche. Je vous invite donc à venir ici au Festival du Conte de Chigny, même encore demain dimanche. Je vois ici aussi que vous... On voit des jolies images avec des petits bouts. On va les montrer à la caméra. Hein, comme ça, on verra un petit peu de quoi il s'agit. Qui est-ce qui s'occupe des grimages ? Ça, c'est moi qui m'occupe. Voilà. Et où prenez-vous votre inspiration ? Les enfants, les visages. Et en général, je demande ce qu'ils veulent. Et puis voilà, je m'inspire de la forme des visages. Oui, donc vous êtes une vraie artiste. Mais je crois savoir aussi que vous faites des marionnettes. Est-ce que vous faites les marionnettes par ici ? Oui, avec les Créateliers, on fait aussi des stages et des ateliers de marionnettes. Et on vient d'en terminer hein, la semaine dernière. Ici, pas sur le site de Chigny, pas pour l'instant, parce qu'il y a d'autres choses et que là, je m'occupe plus des grimages. Mais sinon, on fait toujours les marionnettes. Ouais. D'accord. Donc, les Créateliers, où peut-on vous trouver si des personnes sont intéressées de se joindre à vous ? Eh bien, ils peuvent nous contacter. Je vais laisser le numéro de téléphone, le 0479 99 31 64. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Bien sûr, 0479 99 31 64. C'est le moyen le plus simple pour nous joindre et alors on peut répondre à toutes les questions par rapport aux stages qui ont lieu pendant tous les congés scolaires ou les ateliers qui ont lieu pour les enfants le mercredi après-midi et le samedi matin pendant l'année scolaire. D'accord. Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook également ? Oui, la page Facebook Les Créateliers et alors un site internet www.lescreateliers.be. www.lescreateliers.be. Donc venez nous retrouver ici au Festival du Conte de Chigny et à bientôt.